We gotta go. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale parce que on va fêter l'occasion avec une vidéo très spéciale. Nous allons fêter les 5 ans de la Nintendo Switch. Et oui, comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes le 3 mars 2022. Ça fait 5 ans aujourd'hui que la Nintendo Switch est sortie. Pour fêter l'occasion des 5 ans de la Nintendo Switch, nous allons vous présenter mon top 5 des jeux préférés de la Nintendo Switch. Avec également des mentions honorables, ce qui veut dire des jeux que j'ai pas mis sur ma liste pour cette vidéo. Donc aujourd'hui les amis, on va vous montrer, présenter mes 5 meilleurs jeux que j'ai préférés sur la Nintendo Switch. Cela fait déjà 5 ans que vous vous amusez avec la Nintendo Switch partout dans le monde entier. La Nintendo Switch est une console emblématique qui permet de jouer sur la télé ou en mode portable. La toute première console hybride créée par Nintendo est également l'un des consoles Nintendo les plus vendues actuellement. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter mes 5 jeux que je préfère le plus, avec en dernier les mentions honorables à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez apprécier. Pour moi, la Nintendo Switch est une console qui est vraiment très sympa, qui permet de jouer sur la télé ou de le transporter en mode portable. Par exemple, si vous jouez à la télé mais que vous devez partir dans un rendez-vous, c'est très pratique pour pouvoir jouer à la Switch dehors, même si on doit aller dans un rendez-vous. En tout cas, cette console m'a vraiment émerveillé, j'ai pas eu de soucis. J'ai passé des heures depuis 5 ans à jouer à la Switch. En tout cas, c'est vraiment une console que j'ai appréciée de chez Nintendo. Après l'échec puissant de la Wii U, Nintendo a pu remonter la pente avec la Nintendo Switch, qui d'ailleurs comptabilise plus de 100 millions de ventes de consoles au moment où cette vidéo sort. Donc voilà les amis, maintenant voici mes top 5 de mes jeux préférés de la Nintendo Switch, avec en dernier les mentions honorables. Numéro 5. Mario Kart 8 Deluxe. Donc Mario Kart 8 Deluxe est un jeu de course comme principalement sur la série Mario Kart que vous connaissez.
Mario Kart 8 Deluxe est une version remaster de la version Wii U de Mario Kart 8. Mario Kart, c'est un jeu qui permet de faire la course avec Mario et ses amis. Donc sur ce jeu, vous avez la possibilité de jouer à des tournois. Vous avez aussi la possibilité de jouer à des niveaux de ballon, par exemple le mode bataille en particulier. On a également la possibilité de jouer en ligne avec ses amis. C'était toujours le cas depuis Mario Kart 8. Donc voilà, Mario Kart 8 Deluxe, c'est une version remaster modernisée de la Switch. Avec l'avantage d'avoir deux boîtes avec des objets qu'on peut utiliser, comme vous connaissez, avec les carapaces vertes, les bananes. En tout cas, Mario Kart 8, c'était vraiment un jeu que j'ai adoré et qui est sans doute l'un des meilleurs jeux Mario Kart de la série, qui est également l'un des jeux Mario Kart les plus vendus de la Switch. En tout cas, Mario Kart 8 Deluxe, c'était vraiment un jeu que j'ai apprécié, que vous avez aussi apprécié. Je vous recommande de l'acheter si vous êtes un grand fan de Mario Kart, parce que cette nouvelle opus a pu réussir à faire fonctionner sur la Switch, qui est beaucoup meilleure que la version Wii U. Donc ça restera un jeu de Mario Kart le plus préféré de toute la série. Numéro 4. Super Mario Odyssey. Super Mario Odyssey est une toute nouvelle aventure Mario 3D qui permet d'explorer des mondes uniques dans son genre, avec la particularité de pouvoir se transformer, se métamorpher en objet grâce à Cappy, celui qui va aider Mario dans son aventure. On peut se transformer par exemple en dinosaure, en chimpchomp, en Goomba, en plein d'objets différents et plein d'ennemis différents. Donc voilà, Super Mario Odyssey est l'un des meilleurs jeux Mario 3D que j'ai apprécié autant. Après Super Mario 64 et Mario Sunshine Galaxy, nous avons Mario Odyssey qui était vraiment une opus que j'ai vraiment apprécié de tous les jeux Mario 3D qui est sorti. Donc voilà, les niveaux sont sympas, la musique est vraiment très cool, la capacité de transformation est vraiment très cool, les boss sont vraiment très cool, surtout le boss final avec Bowser qui était vraiment très cool et génial. En tout cas, Super Mario Odyssey, c'était vraiment un jeu d'aventure Mario que j'ai apprécié. Donc le but est de collectionner des lunes pour faire voler le vaisseau qui permet d'explorer les mondes. En tout cas, les niveaux sont quand même très sympas, avec la particularité d'avoir des objectifs, ainsi que le mode photo qui permet de prendre des captures. En tout cas, c'est vraiment très sympa. En tout cas, Mario Odyssey, c'est vraiment un jeu d'aventure à conseiller pour tout l'âge. En tout cas, c'est vraiment le jeu Mario 3D qu'il vous faut. Numéro 3. Et oui, Super Smash Bros. Ultimate, c'est l'un des meilleurs Super Smash Bros. Sortis. Le deuxième meilleur Smash Bros. Après Smash Bros. Melee. En tout cas, Super Smash Bros. Ultimate regroupe tous les niveaux, tous les personnages de tous les Smash Bros. Ainsi que l'arrivée des nouveaux personnages comme Eklin et d'autres personnages. Ainsi que des personnages DLC. En tout cas, Super Smash Bros. Ultimate, c'est un jeu de combat qui permet d'éjecter les personnages, vos adversaires hors du terrain pour gagner la partie. J'ai vraiment adoré les jeux Smash Bros. Comme Smash Bros. Brawl, Smash Bros. Melee, 3DS et Wii U. Mais là, c'est mon deuxième jeu Smash Bros. Préféré de la licence après Smash Bros. Melee. Donc en tout cas, Super Smash Bros. Ultimate, c'était un énorme jeu de combat. L'un des meilleurs de la série après Smash Bros. Melee. En tout cas, qui est l'un des plus vendus. Avec le retour d'un mode aventure après Smash Bros. Melee qui est les esprits dans Smash Bros. Ultimate. Un mode aventure où Kirby doit secourir ses amis des esprits maléfiques. En tout cas, Super Smash Bros. Comme la plupart des jeux Smash Bros. De tous les jeux de la série. C'est vraiment un jeu baston que je vous recommande de jouer si vous êtes un grand fan des jeux de combat et de Smash Bros. Qui est vraiment l'un des meilleurs opus. On peut choisir avec plein de personnages comme Mario, Link, Donkey Kong, Pikmin et plein d'autres personnages que vous connaissez. Avec l'avantage des autres personnages, des différents éditeurs de jeux comme Capcom. En tout cas, c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment adoré de Super Smash Bros. Que je vous recommande de l'acheter si vous êtes un grand fan de baston. Numéro 2. The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'est un jeu Zelda très particulier et sans doute l'un des plus mieux connus et tout. J'ai vraiment apprécié l'histoire de The Legend of Zelda Breath of the Wild, avec l'histoire de Link qui se réveille 100 ans plus tard après la catastrophe et la série d'Hyrule. En tout cas, The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'était l'un des premiers jeux de la Switch qui a été lancé.
En tout cas, j'ai quand même apprécié Zelda Breath of the Wild. En gros, c'est un jeu de Zelda avec une aventure vraiment très passionnante. J'ai adoré l'aventure, les personnages, les attaques. C'est l'un des meilleurs jeux Zelda de la série que j'apprécie le plus. Et également le tout premier jeu Zelda qui est sorti. Et également, prochainement, il y aura une suite de ce jeu, The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Pour l'instant, on n'a pas plus d'informations à ce sujet. En tout cas, pour revenir à cet opus, bah, j'ai adoré Zelda Breath of the Wild. Ça raconte l'histoire de Link qui est mort après son don. En tout cas, voilà, c'est vraiment, j'ai adoré l'histoire. On avait joué également en live sur ma chaîne une fois. J'ai quand même apprécié The Legend of Zelda Breath of the Wild. C'était quand même très sympa. Avec des actions de l'histoire, vraiment, j'ai adoré l'histoire, le scénario. En tout cas, si vous aimez vraiment Zelda, je vous conseille d'acheter ce jeu. C'est vraiment très sympa et c'est vraiment une histoire à ne pas manquer. Numéro 1, le jeu que j'apprécie le plus de toute l'histoire de la suite. Le numéro 1, c'est... Animal Crossing New Horizons. Et oui mes amis, Animal Crossing New Horizons, c'était le jeu phare du premier confinement 2020. Animal Crossing New Horizons, c'est une histoire d'un villageois qui est atterri sur une île pour vivre sa vie. Comme dans la plupart des jeux Animal Crossing, ça permet de personnaliser sa vie, son village et tout ça. Là, sur ce jeu, sur cet opus, nous sommes sur une île qu'il faut construire et faire venir des habitants pour vivre comme une vie normale. En tout cas, Animal Crossing New Horizons, c'était le jeu Animal Crossing le plus vendu de l'histoire de la série et qui a fait autant de succès, surtout depuis le premier confinement que le jeu était sorti pendant le premier confinement en 2020. Animal Crossing New Horizons, c'est un jeu que je cesse de jouer, que je ne cesse jamais de jouer. C'est vraiment un jeu très sympa qui permet de construire des outils très spécifiques et capturer les poissons et tout ça, comme dans tous les jeux Animal Crossing. Animal Crossing New Horizons, c'est vraiment un jeu que je vous recommande de jouer. C'est très sympa, les personnages sont sympas. En tout cas, voilà, c'est vraiment très sympa. Et à la fin du jeu, vous avez Kéké, bien évidemment, comme à chaque jeu Animal Crossing, qui vous fait un spectacle tous les samedis, bien évidemment, comme ça se respecte. En tout cas, Animal Crossing New Horizons, c'est un jeu vraiment très sympa, que j'avais fait mon propre let's play sur ma chaîne, pour ceux qui veulent voir. J'ai vraiment apprécié de jouer à Animal Crossing New Horizons, c'est vraiment un jeu très sympa à y jouer. En tout cas, voilà, Animal Crossing New Horizons, c'est l'un des meilleurs jeux Animal Crossing et le plus vendu de la série. Donc, si vous vous ennuyez, que vous n'avez pas de vie, bah, achetez ce jeu, ça vous permet de redonner espoir à vos vies. Et également, Animal Crossing, c'est la série qui m'a fait donner envie d'aimer les animaux, parce qu'à l'époque, j'aimais pas les animaux quand j'étais tout petit. Mais grâce à ce jeu, ça m'avait changé ma vie. Et donc, Animal Crossing New Horizons, après les opus... sur la DS, 3DS et la GameCube, bah, Animal Crossing New Horizons a pu montrer son potentiel et à l'heure actuelle, toujours des centaines de milliers de personnes jouent Animal Crossing New Horizons. N'hésitez pas à aller voir des vidéos, des lives sur ce jeu, c'est très sympa. En tout cas, je vous recommande d'acheter Animal Crossing New Horizons. C'est vraiment un excellent jeu que je vous conseille de jouer parce que ce jeu est vraiment très bien. Ça permet de personnaliser son île et plein de choses. En tout cas, j'adore vraiment Animal Crossing New Horizons. Je vous recommande d'aller y jouer et d'acheter parce que ce jeu est vraiment très bien. Et maintenant les amis, voici les mentions honorables des jeux que j'aurais pu mettre sur cette liste mais que j'ai pas mis. Nous allons commencer avec 1, 2, Switch. 1, 2, Switch, c'est un jeu comme un jeu de partie en fait. C'est la particularité qu'on n'est pas obligé de regarder l'écran, il faut imaginer le jeu qu'on joue. Par exemple le baseball. Vous avez aussi les jeux comme Frère Lavage, vous avez aussi pour compter les billes et également pour s'occuper d'un bébé en mode portable. 1-2-Switch est un jeu de partie pour s'amuser à plusieurs avec plein de petits mini-jeux très sympas comme le Far West où il faut tirer quand ça crie feu. En tout cas, j'ai quand même apprécié 1-2-Switch, j'ai adoré jouer avec ma famille, mes potes, c'était vraiment très sympa le jeu 1-2-Switch. En gros, ça regroupe des petits mini-jeux très sympas à jouer en plusieurs comme... le mini-jeu du rock'n'roll où il faut danser, ainsi que le mini-jeu de manger des donuts les plus rapidement possible. J'ai vraiment adoré, on a passé de très bons moments, on a bien rigolé. En tout cas, si vous voulez vous amuser à plusieurs, je vous conseille de jouer à 1-2-Switch, un jeu de partie avec plein de mini-jeux qui est vraiment très sympa. Ensuite, la prochaine, c'est le jeu Super Bomberman Air. Vous connaissez Bomberman, le célèbre jeu emblématique que vous connaissez.
qui était de retour pour une nouvelle opus exclusivement sur Nintendo Switch. Super Bomberman, c'est un jeu d'aventure où il faut utiliser des bombes pour avancer dans des niveaux vraiment sympathiques. J'avais joué à ce jeu lors du live pour les 4 ans de la Switch l'année dernière. J'ai adoré Super Bomberman R. En gros, c'est un jeu de plateforme, un jeu de casse-tête avec les bombes et surtout des boss à affronter. J'ai quand même apprécié malgré tout Super Bomberman. J'apprécie les jeux Bomberman, c'est vraiment une licence que j'ai appréciée. En gros, si vous voulez des casse-têtes de l'action, vous pouvez acheter Super Bomberman R qui est disponible pour acheter ce jeu qui est vraiment excellent. Ensuite, nous avons le jeu Super Mario Party, qui était un nouveau jeu Mario Party qui était sorti en 2018 sur Nintendo Switch. Super Mario Party est un renouvellement pour la série Mario Party après la déception de Mario Party 10, Mario Party Star Rush et Mario Party The Top 100. La série a pu se renouveler avec le retour de l'ancienne méthode des plateaux. Ça veut dire que, au lieu que plein de joueurs on joue tous en même temps sur les dés, maintenant ça reprend l'ancien principe et sur un jeu de plateau et pas sur des véhicules comme un Mario Party 9. En tout cas, Super Mario Party, c'était vraiment un jeu Mario Party que j'ai aimé, qui est beaucoup mieux que Mario Party 10, Mario Party Star Rush et Mario Party The Top 100, qui étaient quand même des bons jeux Mario Party, mais je préfère cet opus-là. En tout cas, si vous voulez vous amuser à plusieurs, vous pouvez acheter Super Mario Party, qui est un excellent jeu, où on peut s'amuser tous ensemble avec des jeux de plateau, des mini-jeux très sympathiques d'ailleurs. J'ai adoré les jeux Mario Party que je joue depuis mon enfance, et ce nouvel opus Mario Party sur Switch, j'ai quand même apprécié, avec le retour du jeu classique, on joue chacun son dé. Donc en tout cas, c'était vraiment un très nouveau renouvellement pour la série, avec également des jeux, modes de jeu particuliers comme le jeu de rythme, que j'ai quand même apprécié. En tout cas, si vous voulez vous amuser à plusieurs, achetez Super Mario Party, ça va vous faire passer des heures à vous amuser ensemble. Ensuite, Mario Party Superstar. C'est le nouveau jeu Mario Party qui est sorti en 2021, qui est le nouvel opus, avec le retour des anciens plateaux de la Nintendo 64 et la GameCube, avec également, comme Mario Party, The Top 100 sur 3DS, avec les meilleurs jeux Mario Party, les meilleurs mini-jeux. J'ai quand même apprécié Mario Party Superstar avec le retour du célèbre personnage Koopa qui était présent dans le premier Mario Party, qui a pu faire son retour au travail après plus de 20 ans. En tout cas, Mario Party Superstar, le nouvel opus qui était sorti en 2021, j'ai vraiment apprécié. Les jeux de plateau, c'était sympa. Les mini-jeux, c'était sympa parce que c'était les remasters des anciens mini-jeux du premier Mario Party jusqu'à maintenant. J'ai vraiment apprécié les mini-jeux, franchement. Voilà, c'est vraiment les meilleurs mini-jeux qu'on peut trouver dans Mario Party, donc le premier Mario Party jusqu'à maintenant. En tout cas, comme sur le jeu Super Mario Party, je vous conseille de l'acheter si vous voulez passer des heures sur ce jeu. Dans Mario Party Superstar, vous avez la montagne des mini-jeux avec la particularité, comme à chaque Mario Party, de jouer à des mini-jeux comme on veut, avec également des modes supplémentaires comme la chasse aux pièces et également le mode en ligne qui était également présent à Super Mario Party, que j'avais oublié de le dire, avec le mode en ligne qui permet de jouer à plusieurs, ce qui est vraiment très sympa. En tout cas, si vous voulez vous amuser des heures à Mario Party Superstar, achetez ce jeu et vous pourrez passer de très bons moments avec vos amis, vos proches et vos familles à ce jeu vraiment magnifique. Ensuite, nous avons Super Mario 3D All-Star. C'est un jeu compilation qui n'existe plus depuis le 31 mars 2021. C'était une compilation sortie pour les 35 ans de Super Mario Bros. Qui regroupe 3 jeux Mario, Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. J'avais fait un live sur ce jeu où je testais les 3 jeux qui sont inclus dans la grande collection des jeux Mario, donc sur Super Mario 3D All-Star. J'ai vraiment apprécié la collection de Super Mario 3D All-Star. Malheureusement, les 3 jeux ont été tournés sur émulateur. Ils auraient pu être remasterés beaucoup, mais je peux comprendre parce que sinon, la collection sortirait dans 10 ans. Parce que si Nintendo doit retravailler le jeu depuis le début, ça prendrait beaucoup de temps. Je peux comprendre que pour faire plus facile, Nintendo a opté pour émuler les 3 jeux de la collection, donc Mario 64, Sunshine et Galaxy. En tout cas, malgré ça, j'ai quand même apprécié de rejouer à ces 3 jeux Mario classiques comme Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy. Le désavantage, il n'y a pas eu Mario Galaxy 2 ni à Mario 3D Land Remaster.
mais j'ai quand même apprécié Super Mario 3D All-Star. Super Mario 3D All-Star était disponible de septembre 2020 jusqu'au 31 mars 2021, après que le jeu n'a plus été en vente, même si on peut toujours jouer à ce jeu à l'heure actuelle, ce qui est super bien. Donc en tout cas, Super Mario 3D All-Star, c'est une compilation des jeux Mario comme Mario 64, Mario Sunshine. Le désavantage, c'est que Mario 64 ne tourne qu'en 4 tiers en 30 FPS. Mario Sunshine, bah, l'avantage, c'est que c'est en 16/9 en HD, mais pas en 30 FPS. Mais l'avantage avec Mario Galaxy, c'est que ça tourne en 60 FPS comme sur la Wii. En tout cas, c'est beaucoup mieux. En tout cas, voilà, c'est une grande collection des 3 jeux Mario emblématiques que vous avez déjà joué à l'époque. J'ai vraiment apprécié de jouer aux 3 jeux Mario que vous connaissez. En tout cas, la collection Super Mario 3D All-Star était sympa. Malheureusement, la collection n'est plus disponible en vente. Peut-être qu'un jour Nintendo va vendre séparément les 3 jeux Mario comme Mario 64. Il existe déjà Super Mario 64 sur le Nintendo Switch Online pour les jeux classiques Nintendo 64. En tout cas, Mario 3D All-Star, c'était quand même un jeu que j'ai apprécié. J'ai apprécié jouer au jeu classique de Mario, c'était vraiment sympa, qui permet de se remémorer, avec la particularité au menu principal de écouter les musiques des 3 jeux Mario. C'était vraiment génial. Passons à la suite, Pikmin 3 Deluxe. Pikmin est un célèbre licence emblématique que j'ai apprécié depuis la GameCube. Là, c'est la version Deluxe de Pikmin 3 qui était sortie en 2013 sur la Wii U. Donc, ce qui fait histoire que la planète Octate, une planète qui n'a plus de trucs, plus de doré, plus d'argent et tout ça, qui doivent coopérer avec pour la nourriture, pour les habitants. Donc, Pikmin 3 Deluxe, c'est l'histoire de trois voyageurs que vous connaissez, qui voyagent dans une planète très particulière avec les Pikmin. J'ai adoré le Pikmin 3 sur la Wii U, et la version Deluxe, j'ai quand même apprécié. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs jeux Wii U qui ont été remasterés sur la Switch. Donc si vous voulez jouer à Pikmin 3, je vous conseille la version Deluxe qui est beaucoup mieux avec des nouveautés. En tout cas, Pikmin 3, j'ai adoré le jeu sur Wii U et j'ai adoré la version Deluxe qu'on avait joué en live une fois. En tout cas, c'était quand même très sympa. On attend toujours Pikmin 4 qui devrait sortir, mais on n'a jamais de nouveautés, d'annonce quoi. Donc en tout cas, en attendant, bah, je vous conseille d'acheter Pikmin 3 Deluxe. C'est un excellent jeu de la licence Pikmin qui a fêté ses 20 ans en 2021 l'année dernière. En tout cas, voilà, Pikmin 3, c'est un jeu que vous pouvez acheter sur la Switch, qui est vraiment très bien, qui permet d'utiliser nos chers Pikmin pour aventurer dans des endroits vraiment très spéciaux. Et en tout cas, qui permet d'apprendre les Pikmin que vous connaissez. Les Pikmin rouge, jaune, bleu, violet, le blanc et aussi d'autres Pikmin que vous connaissez, avec le Pikmin ailé qui permet de s'envoler pour transporter des choses. Ensuite, nous avons Donkey Kong Country Tropical Freeze, une version Deluxe, voilà, qui est un jeu qui est déjà sorti sur la Wii U, qui, voilà, c'est une histoire de Donkey Kong avec le village Tropical Freeze, comme on dit si bien. Un excellent jeu Donkey Kong en 2D, un jeu de plateforme que j'ai apprécié, qui était sorti sur la Wii U avant. En tout cas, si vous aimez les jeux de plateforme en particulier, bah, vous pouvez acheter ce jeu. J'ai rien d'autre à dire, en gros c'est un jeu de plateforme avec Donkey Kong et ses amis. En tout cas, Donkey Kong Country Tropical Freeze, j'ai adoré après le retour de Donkey Kong Country Return sur la Wii et la 3DS. J'ai apprécié cet opus sur la Wii U et la version Deluxe sur Switch. En tout cas, Donkey Kong, bah, ça suit l'histoire que c'est l'anniversaire de Donkey Kong qui a été caché par des ennemis. J'ai apprécié les niveaux, même s'il y a certains niveaux qui étaient rageants. Mais j'ai quand même apprécié, surtout battre les boss, même si c'était pas facile. En tout cas, si vous aimez les jeux de plateforme, vous pouvez acheter Donkey Kong Country Tropical Freeze sur Switch. On va passer au prochain jeu qui est Mario et les lapins crétins Kingdom Battle. C'est vraiment une énorme surprise de voir Mario coopérer avec les lapins crétins de Ubisoft. Donc Mario et les lapins crétins, ce sont deux légendaires personnages comme Mario et lapin crétin qui s'unissent leurs forces ensemble pour une aventure complètement déjantée, avec l'histoire d'un petit lapin crétin qui a le pouvoir très particulier. Il faut sauver le petit lapin et sauver le monde après la catastrophe du royaume champignon. Donc les lapins crétins, ils ont voyagé dans le royaume champignon de Mario pour une aventure tout à fait exceptionnelle. On avait joué à Mario Lapin Crétin Kingdom Battle en live il y a quelques temps.
Donc en tout cas, un excellent jeu que j'ai apprécié malgré la désavantage qu'il y aurait pu y avoir plus de modes de jeu et tout ça. Malgré tout, ce jeu est quand même excellent. En tout cas, ça, c'est un jeu de combat tour-retour contre les ennemis. Donc là, c'est des jeux de RPG à peu près, quoi. En tout cas, Mario et les Lapins Crétins, c'était un excellent jeu que j'ai quand même apprécié. Donc en gros, c'est Mario et les Lapins Crétins qui travaillent ensemble pour sauver le Royaume Champignon. Un jeu très intéressant. Et également qui aura une nouvelle opus, Mario et les Lapins Crétins Spark of Hope, qui sortira cette année. Donc le Mario Lapins Crétins numéro 2 qui sortira sur Switch. Que j'ai trop hâte d'ailleurs d'y découvrir tout simplement. On va voir si ce nouvel opus ce sera beaucoup mieux que son prédécesseur. Et maintenant passons à la suite, Super Mario 3D World et Bowser Fury. Après la sortie de Super Mario 3D World sur la Wii U, la version Switch était sortie pour une version deluxe avec une grande nouveauté, un nouveau jeu d'aventure, Bowser Fury. Bowser Fury, c'est un nouveau jeu d'aventure qui est inclus dans le jeu original Super Mario 3D World sur Switch. C'est un jeu qui raconte que Bowser a été transformé par un Fury de la peinture noire. Ce qui fait que Mario, avec l'aide de du fils de Bowser, donc Bowser Jr., de parcourir l'aventure, de trouver comment arrêter Bowser et son Fury, de délivrer les châteaux spéciaux comme à Mario 3D World. J'ai apprécié Bowser Fury, c'était quand même très sympa, malgré que le jeu était un petit peu court, mais bon, c'était quand même très sympa. Des fois, il fallait faire attention que Bowser apparaît, qu'il faut l'affronter des fois. C'était quand même très sympa, Mario Bowser Fury, c'était quand même très sympa, l'histoire était quand même très sympa. Avec la clochette gigantesque, avec Mario en Son Goku. En tout cas, j'ai vraiment apprécié Bowser Fury. On avait fait une aventure sur Bowser Fury sur ma chaîne. Donc, vous pouvez voir les deux lives et l'épisode final, quoi. Donc, en tout cas, Mario Bowser Fury, j'ai quand même apprécié. On a déjà le Mario 3D World qu'on connaît sur la Wii U. Et avec le Bowser Fury, donc le Bowser Fury, l'histoire de Mario avec Bowser qui est devenu très vilain. Voilà, avec le Fury quoi, qui était depuis, voilà. J'ai apprécié Bowser Fury, donc si vous voulez vivre cette aventure pour sauver Bowser de la Fury, de la frayeur et tout ça, vous pouvez acheter Super Mario 3D World et Bowser Fury disponible en magasin. Vous avez le jeu original Mario 3D World avec Luigi Bros qui est inclus aussi. Et également Bowser Fury que vous pouvez y jouer tout simplement pour vivre une aventure, pour sauver Bowser de la Fury. On va passer au prochain jeu, c'est Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3 est la suite des deux précédentes opus emblématiques, Luigi's Mansion sur la GameCube 3DS et Luigi's Mansion 2 sur la 3DS. L'histoire de Luigi's Mansion 3, c'est Luigi et ses amis qui ont été invités à dormir, passer des vacances dans un hôtel particulier, mais que malheureusement, Luigi et ses amis se retrouvent piégés dans les mains du roi Boo. Donc en tout cas, voilà. J'ai apprécié Luigi's Mansion 3, on avait joué en Let's Play en live, j'ai vraiment kiffé cette troisième opus, avec l'histoire de Luigi qui doit sauver ses amis et le professeur Catastrophe. Donc en tout cas, voilà. J'avais apprécié Luigi's Mansion sur la GameCube, c'était un jeu emblématique sur la GameCube à notre époque. J'ai apprécié le deuxième opus, Luigi's Mansion, que j'ai vraiment apprécié. Et donc, nous avons le troisième opus qui est sorti sur Switch. C'était vraiment très sympa l'histoire de monter aux différents étages du hôtel pour collectionner des poignées d'hôtel, quoi. Et traverser des étages pour affronter, capturer des fantômes, comme à chaque jeu Luigi's Mansion. J'ai quand même apprécié les boss, j'ai vraiment apprécié les niveaux, les mécaniques, j'ai apprécié pas mal de choses. En tout cas, Luigi's Mansion 3, c'était un jeu que j'ai apprécié de cet opus, qui a été vraiment très génial. En tout cas, voilà. Si vous aimez la peur et que vous aimez capturer des fantômes, les chasser, achetez Luigi's Mansion 3. C'est vraiment un jeu que j'ai apprécié particulièrement. Donc, si vous voulez acheter ce jeu, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment un jeu très intéressant pour ceux qui adorent la chasse à fantômes. Ensuite, nous avons Pokémon Épée et Bouclier. Pokémon Épée et Bouclier, c'était une nouvelle aventure de génération de Pokémon avec l'histoire de deux dresseurs qui s'embarquent dans une nouvelle aventure Pokémon. Comme à chaque jeu Pokémon que vous connaissez, c'était un jeu très spécial avec trois petits nouveaux Pokémon de base qu'on peut faire évoluer au fil des aventures. Vous savez, comme à chaque jeu Pokémon, vous pouvez affronter des Pokémon, les capturer. J'ai adoré les jeux Pokémon et cet opus m'a vraiment fait apprécier. En tout cas, si vous aimez les jeux aventure Pokémon,
foncez, vous adorez les jeux vidéo, le dessin animé en manga. Donc si vous êtes vraiment un grand fan de Pokémon, vous pouvez acheter ce jeu bien évidemment, qui est quand même un excellent jeu que vous pouvez acheter. Comme Pokémon Let's Go, Pikachu et Evoli, et également le nouveau jeu Légende Pokémon Arceus. En tout cas, j'ai quand même apprécié Pokémon Épée et Bouclier, c'était quand même un très bon jeu Pokémon. Donc si vous voulez, si vous êtes un grand fan de Pokémon, vous pouvez acheter ce jeu en magasin ou sur le Nintendo eShop, qui était quand même un très excellent jeu, ce qui permet de vivre des aventures, de capturer des Pokémon en tout genre, tout simplement. Et maintenant, le prochain jeu que je vais vous montrer, l'atelier du jeu vidéo. L'atelier du jeu vidéo, c'est un jeu, un logiciel qui permet de créer ses propres jeux vidéo à façon programmeur, développeur de jeux vidéo. L'atelier du jeu vidéo, ça permettait de créer des jeux, de différents jeux, comme des jeux de plateforme, des jeux de tir. C'est ce jeu qui a pu faire naître beaucoup de jeux créés dans ce jeu, comme notamment Super Mario 64, en version comme ça, et plein de jeux comme ça. L'atelier du jeu vidéo, c'était un excellent jeu qui permettait de créer ses propres jeux vidéo, créer des jeux comme ça. J'ai quand même apprécié de créer ces jeux quand même sur ce jeu-là. En gros, si vous aimez les jeux vidéo, que vous rêvez de pouvoir créer vos propres jeux, vous pouvez acheter ce jeu sur la Nintendo eShop. En tout cas, un excellent jeu très sympa qui permettait de créer ses propres jeux. Voilà, les propres jeux comme ça. On avait découvert ce jeu en vidéo, ce qui est quand même très excellent. Donc, si vous voulez acheter ce jeu, vous pouvez l'acheter dès à présent. Et pour terminer cette vidéo, nous allons nous terminer avec le dernier jeu que j'ai apprécié. C'est sur le jeu Mario Golf Super Rush. C'est un tout nouveau jeu Mario Golf qui faisait son grand retour après Mario Golf sur la 3DS. Mario Golf Super Rush est un tout nouveau jeu Mario Golf avec Mario et ses amis qui font du golf. Donc vous savez, vous connaissez les jeux Mario Golf que vous avez joué depuis votre époque. En tout cas, voilà, Mario Golf, c'est avec un jeu de golf où il faut lancer la balle de golf pour faire le moins de points possible, pour essayer de rentrer les balles dans les trous qui permettent de perdre des points pour faire des parts, pour faire des birdies et tout ça. Et également faire des trous en as, c'est rare, mais bon, faut vraiment avoir beaucoup de performances. Avec un mode histoire vraiment très sympa de Mario Golf Super Rush. En tout cas, voilà, si vous aimez les jeux de golf et surtout si vous avez aimé les jeux Mario Golf, vous pouvez acheter cet opus qui est vraiment excellent avec des nouveautés, des nouveaux pouvoirs, des nouveaux trucs. J'ai vraiment apprécié Mario Golf Super Rush. Donc, en tout cas, si vous aimez les jeux de golf, vous pouvez acheter. Donc, vous pouvez jouer avec plusieurs personnages comme Mario, Luigi, Donkey Kong, Wario et tout ça. Un excellent jeu de golf que j'ai apprécié. Donc voilà, vous avez les jeux de Mario Golf. En tout cas, voilà, est-ce que vous réussirez à devenir le meilleur golfeur? Est-ce que vous arriverez à faire un trou en un Albatros? Alors essayez d'acheter ce jeu et d'y jouer pour tenter votre chance. C'est un excellent jeu Mario que vous connaissez. En tout cas, j'ai vraiment apprécié d'y jouer pendant des heures et tout ça. Voilà, en tout cas, voilà, si vous aimez les jeux de golf comme ça, vous pouvez l'acheter et essayer de devenir le meilleur golfeur de Mario. Donc voilà, du Royaume Champignon. Ce qui a été un jeu vraiment très sympa. J'ai apprécié les jeux Mario Golf et je pense que cet opus a vraiment du potentiel. En tout cas, n'hésitez pas, je vous commande de acheter et de jouer au jeu Mario Golf Super Rush, qui est vraiment un excellent jeu qui permet de jouer au golf entre amis et de voir qui sera le meilleur golfeur de la famille. Et également, un autre jeu que je vais également rajouter en plus pour la fin de cette vidéo, c'est le jeu 51 Worldwide Games. Alors, c'est quoi le jeu 51 Worldwide Games? C'est un jeu qui a fait le retour du célèbre jeu sur DS, 42 jeux indémodables. 51 Worldwide Games, en gros, ce sont des petits jeux de plateau que vous connaissez, par exemple les fléchettes, les jeux de cartes comme le solitaire et tout ça. En gros, c'était des jeux de plateau très sympas. On avait joué également en live au jeu 51 Worldwide Games. J'ai vraiment apprécié ce jeu, c'était le retour de 42 jeux sur la DS. Donc sur une nouvelle opus vraiment très spéciale. J'ai apprécié les jeux de plateau bien évidemment, c'était vraiment très sympa.
avec des jeux comme les fléchettes et tout ça. J'ai vraiment apprécié de jouer à ces jeux, surtout le bowling et tout ça. En tout cas, si vous aimez les jeux de plateau pour jouer entre famille et votre ami, ce jeu est idéal pour vous, pour que vous puissiez jouer entre famille et votre ami. Un jeu que j'ai vraiment apprécié. En tout cas, voilà, ça permet de jouer entre famille et entre amis. Donc, si vous voulez vous amuser à des jeux de plateau très particuliers, achetez le jeu 51 Worldwide Games, qui est en fait une suite au célèbre jeu DS 42 jeux indémodables, qui était un jeu que j'ai apprécié sur la DS, qui est également le prédécesseur de cet opus 51 Worldwide Games, qui est en gros qui regroupe des jeux de plateau, des jeux de trucs très spéciaux. J'ai vraiment apprécié. Donc si vous voulez jouer à 51 Worldwide Games, vous pouvez l'acheter bien évidemment sur le Nintendo eShop et en magasin, ce qui est quand même un très excellent jeu. Donc en tout cas voilà, 51 Worldwide Games regroupe des jeux vraiment très sympas, des jeux de plateau vraiment super cool. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez aussi l'acheter en magasin pour que vous puissiez profiter de jouer à des jeux de plateau si vous aimez les jeux de plateau entre familles. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo top 5 de mes meilleurs jeux de la Switch. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo spéciale pour fêter les 5 ans de la Nintendo Switch. En tout cas, voilà les amis, aujourd'hui ça fait 5 ans que la Nintendo Switch est sortie. J'aimerais bien remercier à Nintendo pour cette magnifique console qu'on a adorée. C'était la toute première console hybride qui permet de jouer à la télé et également en mode portable. J'ai vraiment apprécié cette console qui permet de jouer en mode portable à plein de jeux vraiment très sympas. Donc si vous voulez acheter cette console, vous pouvez l'acheter. C'est vraiment une excellente console qui permet de jouer tous ensemble et tout ça, qui permet de jouer partout à la télé et en mode portable et surtout en mode tablette en enlevant les Joy-Con avec le stand. En tout cas, c'était vraiment très sympa. Franchement, cette console restera emblématique et qu'on continuera à y jouer pendant encore très longtemps. Peut-être qu'un jour, quand on aura une nouvelle console Nintendo qui sortira dans le futur, ce serait vraiment très sympa avec des nouveaux jeux. En tout cas, voilà, la Nintendo Switch, ça restera une console mythique dans son genre, qui a été très vendue encore mieux que la Wii U, qui a fait vraiment un échec. En tout cas, voilà, la Nintendo Switch, ça restera vraiment une console emblématique. Et on continuera à y jouer autant que ça nous fait plaisir. Depuis 5 ans qu'on joue à cette console. Franchement, merci Nintendo pour cette merveilleuse console. C'est vraiment sympa. Et bien voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va apprécier. Voilà, vous me direz dans les commentaires quel est votre jeu préféré de la Switch. Si vous aimez tout ça, vous me direz ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires pour donner votre avis de votre jeu que vous préférez le plus. Ah, donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo spéciale vous aura plu. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ce que vous en pensez des jeux Nintendo que vous avez aimés. Si vous me direz ce que vous en pensez de tout ça. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les prochaines vidéos. Et j'espère que vous avez apprécié. En tout cas, tant qu'à moi, je vous retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous bonne vie et tout ça. Voilà, restez connectés comme dirait NicoStar 8 et profitez bien de vos jeux, de votre passion. Si vous êtes gamer et tout ça, ça fait vraiment très plaisir. Allez les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour des nouvelles vidéos. On souhaite encore une fois un joyeux anniversaire à la Nintendo Switch, une console emblématique. En tout cas, cette console est emblématique. Allez donc du coup les amis, c'était Homer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Merci les amis, à bientôt. Ciao, à bientôt.